Quand on fait de l'espionnage de masse, il faut faire attention aux dépendances technologiques et aux sous-traitants auxquels on fait appel. Et on va aussi parler aujourd'hui de visite de data center. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle trouvaille du vendredi. Nous sommes vendredi après-midi, c'est donc votre émission de veille presque hebdomadaire, puisque tous les vendredis après-midi ou presque, je publie une vidéo sur LinkedIn sur les sujets du cloud ou du DevOps en général. Vous pouvez donc soit me suivre mon profil sur LinkedIn, soit suivre le hashtag La Trouvaille du Vendredi, ou alors, si vous préférez, vous pouvez aussi suivre ma chaîne YouTube, vous abonner, activer la cloche, parce que des fois je fais des lives un peu impromptus, et par contre sur YouTube, vous aurez la version de la semaine d'avant, puisque La Trouvaille est réservée à LinkedIn en exclusivité pendant une semaine. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va parler de surveillance de masse. Et on va parler de l'affaire Pegasus. J'en ai pas parlé, mais on va pas revenir sur l'affaire Pegasus. Je vous conseille d'aller lire l'article du Monde sur le projet Pegasus. Pour faire simple, le projet Pegasus, c'est un outil qui a été développé par Israël. Donc, ce logiciel espion, en fait, a été utilisé par tout un tas d'États pour espionner des cibles. Et en fait, l'État israélien donnait son accord à l'entreprise qui édite ce logiciel pour pouvoir faire ça, ce qui donne évidemment des infos à l'État d'Israël sur qui espionne qui. C'est une info importante. Et donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une tribune en fait sur la dépendance technologique et Pegasus, donc qui est faite par Alain Bauer. Donc Alain Bauer, c'est un professeur de criminologie au Conservatoire National des Arts et Métiers de New York et de Shanghai. Et il va publier un dictionnaire des espions et espionnes. Dans cette tribune d'Alain Bauer, il nous parle évidemment de la sous-traitance, et notamment du fait qu'il y a quelques années, on a commencé à faire appel à justement des personnes extérieures pour gérer la technologie. Donc on fait appel à des sous-traitants, on se rappelle de Palantir et d'autres, et donc Pegasus est un des sous-traitants. Et ce qui pointe là, c'est assez vrai, c'est que, en fait, si on fait appel à de la sous-traitance pour faire de l'espionnage, qui parfois est illégal, les personnes auxquelles on fait appel, eux-mêmes, ont des intérêts. Soit c'est des entreprises privées, de pays étrangers qui donc peuvent collaborer avec leur propre gouvernement ou État. Et donc, on en vient à se poser la question, est-ce que au sein d'un État, on ne devrait pas développer nous-mêmes nos propres logiciels d'espionnage? C'est ce qui, justement, est pointé du doigt par Alain Bauer, puisque depuis quelques années, il nous dit l'apparition d'opérateurs technologiques de pointe, souvent issus de services publics de renseignement, sous-entendu étrangers, sont là et donc vendent des logiciels pour pouvoir espionner les gens. L'autre point qu'il soulève, c'est que on peut avoir des entreprises qui sont mises en péril parce qu'il y a des mesures judiciaires en cours avec d'autres pays. Par exemple, on peut citer le cas d'Alstom qui a eu des problèmes judiciaires avec les États-Unis, ce qui a mené Alstom à être vendu aux États-Unis à terme. Et donc, de ce point de vue-là, ils pensent que l'État devrait intervenir rapidement et ne pas justement laisser ces opérateurs, enfin ne pas laisser ces entreprises aux mains d'opérateurs étrangers qui pourraient avoir envie de contrôler ces entreprises. Parce que les entreprises peuvent être soumises à des lois étrangère, donc extraterritoriale, et dans ce cas-là, à l'État de se poser la question s'il convient de protéger ces entreprises ou pas. Dans le cas d'Alstom, Alstom fabrique des turbines nucléaires, ce qui fait qu'aujourd'hui, si on veut être autonome point de vue nucléaire, on ne peut pas. Ce qui fait que on doit demander à une entreprise américaine de bien vouloir nous donner ou nous vendre des turbines. Si les États-Unis ne veulent pas nous vendre de turbines, on ne peut plus vraiment maintenir nos centrales. Et donc, il propose aussi, en fait, de mettre à l'abri nos développeurs, donc c'est-à-dire de créer un pôle, j'imagine, de développeurs
qui soit là pour nous aider à écrire des logiciels pour espionner ou pour tout un tas d'autres choses qui seraient vraiment liées à la sécurité nationale. Parce qu'on imagine bien que si on veut être autonome sur nos produits de surveillance, il faut que les développeurs qui travaillent sur ces produits soient considérés comme des agents secrets, comme des membres du ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, très certainement, seraient des membres du ministère de l'Intérieur ou des armées. Ça dépend qui on espionne. Et ces gens-là doivent être protégés. Donc c'est une tribune assez intéressante que je vous encourage à lire. Et je vous encourage à vous intéresser à ce sujet-là. Parce que même si on est contre la surveillance de masse, même si on est contre la surveillance, à un moment donné, une nation, elle a besoin d'espionner et de faire des choses qui sont illégales. On le sait tous, il faut pas être naïf pour dire que c'est pas vrai. Donc, quitte à le faire, autant le faire bien et autant le faire de manière souveraine. C'est ça qui est assez intéressant de se poser comme question. En bonus, aujourd'hui, je vais vous parler des journées du patrimoine. Pourquoi je vais vous parler des journées du patrimoine? Parce que, en fait, Scalway propose d'ouvrir un de ses data centers pendant la journée du patrimoine. Et vous pourriez aller visiter ce data center. Et pas n'importe quel data center, puisque c'est le DC5. Donc c'est l'un des derniers data centers, voire même le dernier data center parisien de Scalway. Et donc pour les journées du patrimoine le 18 décembre, vous pourrez vous inscrire sur cette page. Je vous mets le lien en description et en commentaire sur LinkedIn. Et vous pourrez visiter le data center. Si vous êtes intéressé, donc, soit par visiter un data center, savoir à quoi ça ressemble, ou alors si vous voulez rejoindre Scalway, parce qu'ils vont profiter aussi, je pense, de cet événement pour parler de leur entreprise. Donc, le DC5, il a en plus un. Moi, j'aurais adoré visiter le DC5, mais je ne vais pas pouvoir aller à Paris pour visiter le data center, je suis trop loin. À Saint-Étienne, ça me ferait faire trop de déplacements, puis en plus avec le pass sanitaire. Bon, bref, je vous passe les détails, mais le DC5, il a un intérêt d'aller visiter parce que il utilise un système de refroidissement adiabatique qui permet justement d'avoir un data center plus économe en énergie. Et Data Center nous dit que grâce à cette technologie-là, leur data center consomme de 30 à 40% d'énergie en moins. Il liste aussi les personnes qui pourraient visiter le data center. Mais si vous êtes curieux, allez-y, je vous encourage. C'est toujours intéressant d'aller visiter un data center, surtout si vous travaillez en cloud. Savoir à quoi ça ressemble physiquement, en fait, les data centers où sont gérés nos VM, nos réseaux, nos disques, etc. C'est toujours intéressant de savoir comment c'est fait. Et en plus, vous pourrez discuter avec les gens de chez Scalway, ils pourront vous expliquer comment ils gèrent leur data center. On a les infos pratiques et évidemment on a les informations liées au Covid. Donc, puisque c'est une visite en plein Covid, il y a toutes les informations qu'il faudra donner. Donc en gros, pour visiter le data center, il faut avoir un pass sanitaire valide. Donc, je vous laisse toutes ces informations-là en description. Voilà pour cette petite trouvaille du vendredi. Elle était assez courte parce que aujourd'hui, je voulais faire court. Et je voulais vous parler juste de ces deux petits points. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire du sujet d'être autonome sur la surveillance de masse ou sur la surveillance tout court. Bref, quand on utilise des outils stratégiques pour une nation, est-ce qu'on doit être autonome? Est-ce qu'on doit les faire créer en interne, quitte à faire appel à une partie de logiciels libres? Et là, justement, c'est l'un des cas vraiment intéressant où le logiciel libre ne serait peut-être pas souhaitable parce que évidemment si on parle de surveillance, si on met à disposition le code source d'un logiciel de surveillance, les gens qu'on va surveiller vont forcément voir les failles utilisées et donc vont corriger leur logiciel. Donc là, il y a des choses à faire. Peut-être parler de logiciel libre intra-ministériel, je sais que ça se fait souvent, ou intra-entreprise. En tout cas, il y a des choses à réfléchir sur ces points-là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et toi, si vous allez aller visiter le data center chez Scalway, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.